Donc ouais, comme je disais, c'est une vidéo totalement improvisée. J'avais pas prévu de faire ça. C'est juste que là, en jouant un petit peu plus tôt dans la journée pour me détendre un peu à Dead by Daylight, je me suis dit ce serait pas complètement con de faire ça. Et je crois qu'on est, oui, on est contre Leatherface. Je viens de le voir dans le fond de l'écran. Alors du coup, mon build est Premonition, Urban, Borrowed. Et self-care. Donc self-care, comme je le disais, c'est pour pouvoir me soigner. Si jamais je me prends un coup. Enfin, c'est pas si jamais, c'est quand je vais me prendre un coup. Urban, c'est pour pouvoir me déplacer accroupi un peu plus rapidement que si je me déplaçais sans urban. Premonition va m'informer si le tueur est en train de s'approcher de moi et que je regarde dans sa direction. Et Borrowed Time, c'est au cas où on tombe sur un campeur pour pouvoir peut-être sauver les gens quand même. Bon alors je fais ça très rapidement. C'est un petit truc qu'ils ont rajouté avec la saison d'Halloween. C'est de la grosse merde, ça sert complètement à rien. C'est juste pour choper des skins un peu différents. Mais je le fais parce que ça rapporte des points. Voilà, ça rapporte quelques points en plus, donc. Mais sinon, ça sert mais vraiment à rien, quoi. C'est. Voilà, hop, ça c'est fait. On peut passer à la suite. Donc, ici, on a. Donc, comme je disais tout à l'heure, possible, je vais essayer ou du moins, de faire aussi des parties en tant que tueur. Parce que je me rends compte que j'ai jamais enregistré une partie en tant que tueur. Je suis pas un bon tueur, hein, au passage. Hein. Je suis pas un... J'ai encore beaucoup à apprendre. Survivant, c'est quand même beaucoup plus simple. Ah merde. Alors attends, elle est tombée où? J'ai été complètement déconcentré par le fait que elle soit tombée. Qu'elle soit tombée. Qu'elle ait été vaincue par Leatherface. Alors. Ah, il a sûrement barbecue. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Sérieusement? Sérieusement? Ah. Bon allez, on va se dépêcher d'essayer de sauver cette personne avant qu'il... Non mais, oh! Voilà, je tue là. Non mais, je peux te soigner. Laisse-moi te soigner. Voilà. Il est en train de venir. Putain! Putain! Ah, casse les couilles! Casse les noix! Bon, celui-là, on devrait pouvoir le finir relativement rapidement. Celui-là, c'est fait. Plus comme elle s'est fait avoir. Oh, mais ta mère! Elle va m'avoir. Il va probablement m'avoir si je trouve pas une palette. Non, j'ai pas. Ah, oh, putain, ouais! Oh. Bon. Ça sent pas très bon, hein, je vous le dis direct. Ça a l'air d'être un putain. Ouais,
donc je pense que le mec qui va pourchasser la seule et unique la seule et une seule et unique personne pendant tout le jeu. C'est tombé sur No Name, c'était pas de bol. Quand ça vous arrive, ça c'est vraiment super chiant parce que genre vous êtes mort, vous pouvez juste rien faire. Allez, on va pas. C'est là qu'on va voir s'il a barbecue. Ah peut-être. C'est pas sûr. Voir si ça passe. Non, ça passe pas. Oh putain. Oh. Ah, fait chier. Bien sûr qu'il a Frankenstein-ize. On a quand même tenu, hein. Là, on a échappé à son attaque de tronçonneuse quand même pas mal de fois. Allez, boum. Ouais, il a probablement barbecue. Hein. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il... Non, non, non! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais viens m'aider! Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ces branquis? Eh mes amis, voici une équipe de merde! Non, sérieusement? Ok, bon bah apparemment je suis abandonné à mon sort. Voilà. Équipe de merde. Bon, on devrait quand même avoir pas mal de points. Hein. Même si on a quand même pas mal perdu à cause de l'histoire de No Name qu'on n'arrivait pas à sauver là. Hello. Ah, j'ai aucun espoir que le mec vienne me chercher, c'est juste que j'espère qu'il va crever en fait. Ce serait bien s'il mourait, s'il pouvait mourir. Mais je suis sûr qu'il a trouvé la trappe. Et il la mérite absolument pas, mais je suis sûr qu'il a trouvé la trappe. Ah, il a trouvé la trappe. Obligé.
Ouais, Black Pep. Je m'attendais pas forcément à mieux. Ok.